Mais d'où vient ce thème exceptionnel que je viens d'entendre? Qui est-ce le compositeur derrière cette musique de fou? Eh bien, cette compositeur, c'est une compositrice, Yoko Shimomura, la personne qui est à l'honneur dans notre 191e émission de Final Game Unitron avec Nicolas. Salut. Qui est avec moi, votre rendez-vous de jeux vidéo et culture geek. Là, 100% vidéo et 100% musical. On va faire juste un petit sommaire de ce qu'on va vous proposer, et puis après, on vous laissera savourer les musiques. Eh bien, de ce que j'appellerais, disons que si Nobuo Uematsu, on a fait des émissions sur eux, sur lui, est le meilleur compositeur, eh bien, Yoko Shimomura, c'est la meilleure compositrice de jeux vidéo au monde. Cette femme de 51 ans, alors qui a un charisme impressionnant quand on la voit sur scène. Déjà, elle respire une espèce de sérénité sur son visage. Elle a vraiment quelque chose, cette nana. Et bien, aujourd'hui, l'émission va lui être consacrée à ses compositions qui sont extraordinaires. Elle a commencé à se faire repérer son talent, je crois que c'est dans les années 94 avec Live Alive, je crois, où elle a commencé à faire, ouais, à faire du bon boulot. Elle s'est fait repérer avec Parasite Eve également. On a travaillé, elle a souvent été avec Tetsuya Nomura, ils ont souvent fait un binôme tous les deux. Nomura a souvent créé des jeux et c'est Shimomura qui a composé les musiques pour ses titres. Et puis après, elle a explosé avec Kingdom Hearts, avec FF15, avec plein d'autres jeux. Et la nana, elle a toujours été au rendez-vous, hein, tout simplement. Je ne crois pas avoir écouté une OST d'elle qui était décevante. Oui, non, mais voilà, il m'a pas semblé. De toute façon, ce que vous avez pu entendre, qui est en intro de notre émission, qui est le thème d'intro du jeu Legend of Mana, un jeu que vous connaissez peut-être pas forcément parce qu'il n'est pas sorti en France, eh bien voilà, c'est juste un petit aperçu de son immense talent. Alors, comme les deux précédentes émissions musicales qui étaient sur Uematsu et Sakimoto, Nico et moi-même, on a choisi chacun 5 musiques, 5 morceaux de la compositrice, donc 10 morceaux au total. On alterne, donc un choix de Nico, mon choix à moi. On reste dans du Mana, puisque Nico a choisi une musique de Legend of Mana. Et oui, Legend of Mana, le thème s'appelle Hometown Domina. C'est le thème du premier village du jeu. Ouais, il est cool. Donc un thème très, très joyeux, on va dire, assez festif, très mignon à écouter. Exactement. On va changer totalement de registre avec mon choix. C'est le thème d'intro de Parasite Eve, premier du nom, Primal Eyes, voilà, qui introduit le jeu Parasite Eve, le tout premier Parasite Eve, The Cinematic RPG. Voilà, Shimomura imprégné déjà. Et c'est vrai que vous allez tout de suite comprendre son immense talent, parce qu'entre les musiques de Legend of Mana et celles de Parasite Eve, il y a un fossé totalement. C'est-à-dire que c'est pas du tout les mêmes univers. Parasite Eve, c'est un jeu d'horreur RPG. Legend of Mana, qui est un jeu plus mignon, entre guillemets, ça n'a rien à voir. Et pourtant, ça colle parfaitement avec les jeux à chaque fois. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ensuite, Nico, culte, j'ai envie de dire. De Kingdom Hearts 2. Ouais. Avec forcément, c'est culte pour Shimomura. Voilà. The 13th Struggle, le thème des boss de l'organisation 13, qui est épique et intense, mais un point assez fort. Ensuite, pour ma part, c'est le thème, le main thème, le thème d'intro du jeu Xenoblade Chronicles, qui est sorti sur Wii, c'était en 2011. C'était elle qui était aux commandes des musiques. Et en fait, c'est le thème que vous avez à l'écran titre. C'est un thème en piano. Laissez-vous porter. C'est magistral, tout simplement. C'est juste à tomber par terre. Ensuite, une de ses dernières œuvres, très grande œuvre, qui nous a pas mal retourné, et pour cause, c'est aussi une de nos licences favorites. Ouais. Donc c'est Final Fantasy XV, le thème s'appelle Up to the Challenge. C'est un des thèmes de combat du jeu. J'adore ce thème. Mais moi aussi. On a dû le passer plusieurs fois à l'émission. En fait, je dis, mais en fait, si vous voulez, on fait plein d'émissions musicales là, pour la dernière ligne droite de Final Game Unitron. Et j'ai demandé à Nico de choisir 5 musiques par compositeur. Et j'attendais que tu choisisses tes musiques parce que je dis, il y aura forcément des doublons. Et c'est sûr, sur certaines musiques, on aurait pris les mêmes. Mais voilà, ce thème de combat de FF15, il est absolument magistral. Et c'est même pas des combats de boss, c'est des combats contre des mobs. Voilà, c'est un tout petit aperçu de son talent, j'ai envie de dire. Ensuite, moi, c'est du Kingdom Hearts, toujours, parce que c'est culte pour Shimomura, j'ai dit, mais cette fois-ci, l'épisode Birth by Sleep, avec le thème Master Tell Me the Truth. C'est un thème de combat épique également. On a l'impression que presque le thème raconte quelque chose, tellement il est profond. Et en plus de ça,
Quand vous l'écoutez dans le jeu, ça veut dire beaucoup de choses. On retrouve du Parasite, ouais, dis donc. Du Parasite, mais cette fois le troisième épisode, The Third Birthday. Le thème s'appelle Blue of the End. C'est un thème qu'on entend vers à la fin du jeu, si je me souviens bien. Excellemment bien fait. Ensuite, alors moi, c'est un jeu qui n'est pas connu du tout, pour cause, il n'est jamais sorti en France. Il est sorti sur PSP uniquement au Japon. Pourtant, j'ai pris l'OST pour écouter ce qu'avait fait Shimomura pour ce jeu et j'étais pas déçu du voyage, dis donc. C'est Last Ranker, un jeu de Capcom. Je crois que c'est l'équipe de Breath of Fire qui avait fait ça. Donc c'est pas connu chez nous parce que c'est pas jamais sorti. La musique s'appelle Born to Survive. C'est une chanson même carrément. Voilà, je vous laisserai déguster ça. Si vous connaissez pas, je pense que vous allez récupérer l'OST directement après. Et ensuite, le dernier choix... Un peu inattendu. Assez inattendu, ouais. Donc, c'est le jeu Voyage au centre de Bowser, donc de la saga des RPG Mario Luigi. En fait, c'est Yoko Shinomura qui compose les musiques de cette série. Et là, c'est le thème des boss que je trouve excellent, parce qu'on retrouve l'esprit Mario avec la patte de Shinomura. Moi, ça doit donner quelque chose de très sympa. Pas à écouter. Ouais, c'est assez marrant. C'est moins épique ici. Oui, mais ça reste dans l'esprit Mario Nintendo. Quoi. Ouais, totalement. On reconnaît la patte de Shimomura. Donc, faut écouter, vous allez comprendre. Et bon, donc il y a deux fois de Legend of Mana dans notre émission, deux fois de Kingdom Hearts, deux fois de Parasite Eve. Il y aura deux fois de FF15, puisque la dernière musique de mon choix, ça sera Final Fantasy XV. Le thème, c'est Invidia. C'est une musique que vous écoutez quand vous affrontez. Comment elle s'appelle la chevalière dragon. Aranea, quelle honte. Oh, je ne me rappelle plus de son nom. Voilà, quand vous affrontez Aranea. Voilà, on va vous laisser savourer tout ça bien tranquillement. Si vous avez la version YouTube, vous pouvez accéder directement aux musiques grâce aux images que j'aurai mises dans le montage, tout ça. Donc voilà, vous pourrez accéder directement aux musiques qui vous intéressent. Merci Nicolas, merci à vous. On vous laisse en compagnie de ces 10 morceaux de Yoko Shimomura. Encore merci à elle de nous avoir fait rêver très récemment avec Final Fantasy XV. Voilà, c'est la meilleure, tout simplement. Yoko Shimomura, c'est à elle. Bonne écoute à vous, merci encore.
Yeah.